Donc j'ai décidé de faire un petit film pour vous présenter la bête. Donc maintenant, aujourd'hui c'est samedi, je ne sais plus, ah oui, le 29 février à Évian, et on va aller sur le bateau. Donc le voici. Énormément de bouts, le voici le 833 vu depuis devant. Voilà. Donc énormément de bouts, comme je disais. J'ai repéré la plupart des choses. Il y a un tas de choses que j'ai jamais utilisées sur un bateau. Donc c'est évidemment, c'est un bateau de course. Il faudra que je me familiarise avec tout ça. La barre, ici. Voilà. Et puis après, voilà l'intérieur, et ça va être, c'est la gymnastique pour entrer. Donc on s'imagine quand ça se court. Ah, je vais essayer de rentrer. Ah. Voilà. Donc c'est pas très facile à rentrer. Et puis il y a même des canaries à l'intérieur, mais en fait c'est l'alarme qui dit va sonner toutes les 20 minutes. Ouh là là. Donc voilà, le tableau, enfin les appareils électroniques avec le baromètre, l'AIS, la VHF. Vu depuis là, on verra un peu mieux, pas sûr. Voilà, exactement, là on voit bien. Et puis de l'autre côté, on a les appareils, le pilote automatique, l'AIS et le GPS, exactement, avec la balise qui se trouve là derrière. Alors on va faire un petit tour, je vous montre comment c'est devant. Donc avec les voiles, là c'est le seau qu'on va utiliser, le seau à multi-usage. Sur les deux. Au milieu, sous le cockpit, on a un petit passage. On voit probablement pas très bien, c'est assez sombre. Ah ben alors, je vais juste allumer la lampe. Ça on voit bien le fond, et on voit bien qu'il y a aussi un petit peu d'eau qu'il faudrait que je vide à l'occasion avec la condensation, mais c'est pas gênant. Et à droite ici, on a la pile à combustible qui est allumée en fait en permanence, donc il s'enclenche, elle s'enclenche dès que les batteries passent sous une tension définie et les recharge tranquillement. Donc voilà, je range la lampe. Voilà un petit aperçu, et c'est dans cette bête là qu'on va passer un certain nombre de jours et de mois et de semaines ces prochains 4 ans. Voilà, à tout de suite.